Donc, on va attaquer tout de suite pour le carnaval cette année. Donc, annoncez-nous de très bonnes choses pour le carnaval, parce que l'année dernière, les gens se plaisaient beaucoup et pour les animations qui se passaient au niveau du carnaval de Saint-Martin. Est-ce que cette année, on aura la même satisfaction? Ben, on pense qu'on aura quand même la même satisfaction, même si on n'a pas la même étendue de groupe, tout à fait, parce qu'en fait, le comité reste solidaire, le comité reste ensemble, et on a voulu donc continuer effectivement dans ce que tu disais, poursuivre dans ce qu'on avait démarré l'an dernier avec cette belle parade que nous avons pu offrir. Donc cette année, on remet un petit peu les mêmes ambiances, on essaie de mettre les mêmes ingrédients, c'est pas évident, ça a été un petit peu plus dur que ce qu'on imaginait, pour diverses raisons, cyclones, vandalisme, etc. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, le comité est resté solidaire, on s'est serré les coudes et on va proposer, donc pour les différentes parades au niveau des enfants, au niveau des adultes, on a quand même quelque chose de conséquent et d'animé et de coloré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui cloche? C'est au niveau de l'organisation, du budget? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est diversifié. On a différentes problématiques. Ça dépend, selon les groupes, ça peut être au niveau des sponsors, au niveau de la participation financière, au niveau peut-être de factures qu'ils ont encore à régler. Voilà, il y a déjà cette première partie. Il y a aussi une partie cyclonique pour certains qui ont endommagé les locaux. Donc, ils avaient déjà commencé à faire des costumes. Donc, il faut les redémarrer. Donc, il y a cette partie-là. Là, il y a eu pour nous la partie un peu vandalisme du site, donc qu'on est obligé de repartir. On sait très bien que nous sommes des bénévoles, on reçoit une partie de fonds, mais qui sont dédiés à autre chose et que finalement on était obligé de piocher pour reconstruire, pour qu'on puisse avoir un village cette année. Donc c'est vrai que si on doit faire un étalage en fait des problématiques, elles sont vraiment diverses selon les secteurs dans lesquels nous sommes. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons un petit peu réduit le carnaval cette année, pour pouvoir permettre à tout le monde, puisqu'on sait que ça coûte, dans différents secteurs, de pouvoir se retrouver, s'en sortir. Certains groupes nous ont dit, allons essayer de ne pas faire de préparade, parce que c'est vrai que pour nous, ça nous permettra de nous préparer. D'autres nous ont dit, on ne pourra vraiment pas. Il y a des secteurs dans lesquels ce n'était pas propice pour nous, après analyse et étude. Donc voilà, donc ce sont tous ces éléments-là qui ont fait que cette année, on a un carnaval un petit peu plus condensé. Et il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est que le carnaval est très tôt cette année. Ouais. Il a lieu au mois de février. On est au sortir des fêtes de fin d'année, on est au sorti de pas mal d'enchaînements, qui fait que, donc voilà, on est obligé de tomber sur un carnaval qui reste sympa, avec une bonne ambiance, conviviale, mais condensé. C'est vrai. Est-ce que le comité carnaval reste toujours très soudé et entre vous et qu'il n'y a pas vraiment de relâchement Aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force. Mm-hmm. C'est sincèrement, je le dirais, on a eu à un moment donné un moment de doute qui nous a même fait passer deux nuits de réunion pour pouvoir prendre la bonne décision, qui fait que ce soir nous sommes donc ici. On a pris la décision de rester et de se dire qu'il faut qu'on mène quand même à bien ce travail. Pour te donner une petite idée, à la population, c'est qu'au 1er décembre, 6 jours avant notre marche de préparation, notre walkathon, on avait d'enregistré et d'inscrit, tant chez les adultes que chez les enfants, qu'un seul groupe. Ah oui. Donc à ce moment-là, on se dit, on est à un mois du carnaval, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans ça? Et puis on se dit, mais si on abandonne, oui, le travail sera encore double lorsqu'on voudra reprendre, puisque si tout a peur du vide, donc si on laisse un vide en quelque part, ouais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut pousser dedans. Donc on s'est dit non, les membres ont tourné la chose dans tous les sens et on s'est dit, ok, bon, on va y aller, et c'est ce qui fait que ce soir, on est content, on est satisfait de pouvoir présenter quelque chose qui tienne la route à la population et qui donnera encore un goût de ce qu'on a fait l'an dernier. Et par rapport aux éléments qu'on a, on va travailler sur ça pour continuer à faire avancer le carnaval. Et c'est un petit peu notre objectif, même si on a 5 groupes, qu'on n'a pas les 13, mais que ça donne quand même cette envie de sortir. Et c'est là où nous sommes un petit peu bien positionnés, c'est sur les parades. Donc on a pu voir qu'on a commencé à décorer un petit peu les rues, on essaie de mettre un petit peu cette ambiance carnavalesque. On commence tardivement, mais on va avoir quelque chose de sympa grâce au comité, aux membres. Je tiens à les remercier, on profite de ça. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui sont derrière, qui nous ont dit non, il ne faut pas abandonner. On est là avec vous, on va faire quelque chose. Et voilà, on a des petites pierres qui sont portées à l'édifice qui font que le comité il est heureux d'avoir un petit peu ce soutien derrière nous, de certains sponsors, de certains carnavaliers. C'est ce qui nous permet de tenir. Et c'est vrai que c'était un moment difficile.
Juste pour ajouter à ce que Hubert disait, c'est vrai qu'on a eu une période de doute, mais on a eu une longue période de découragement également au niveau du comité, puisque l'effort qu'on a juste avant le passage du cyclone, on en avait déjà mis beaucoup de travail dans le village, à reconstruire, à remettre en ordre, etc. Et on a eu le passage de Gonzalo, puis on a eu les intempéries, de grosses intempéries. Et tout de suite après, on a été cambriolés. Donc, tout l'effort qu'on a mis dans le travail au niveau du village. Donc, on a eu sur trois week-ends où les membres étaient présents sur le site pour nettoyer, pour remettre en place, pour arranger, dans un dynamisme. Et voir après ce qu'on a eu, c'est vrai qu'on a été un peu découragés. Et suite à ce live, on était déjà dans cet esprit de carnaval, etc. Mais après les intempéries, les gens ont commencé, mais les gens n'étaient pas dans le même esprit que nous. Hein. Donc même si nous, on voulait avancer, quand on frappait aux portes, voilà, ils nous disaient que ce n'était pas voilà, leur priorité pour, à ce moment-là. Et on comprend, puisque... Il y a eu vraiment de grosses pertes pendant cette période-là. Donc, ça nous a ralenti un peu, nous, comité, dans l'organisation. Et je suppose même les groupes, hein, les responsables de groupe, sûrement ça les a ralentis également au niveau de la préparation. De ce fait, après, vous savez, juste après, il y a la Noël, une période encore où on ne peut pas vraiment parler carnaval puisque les gens sont dans les préparatifs Noël. Donc, ça nous a mis encore un délai un peu en retard supplémentaire. Et puis, janvier, on est à trois semaines du carnaval. Mais il faut dire, depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, on a bien bossé pour arriver à ce qu'on a à l'organisation d'aujourd'hui. Il n'y a pas de liste que d'autres groupes se manifestent au dernier moment Oui, il y a des gens qui se manifestent maintenant. Est-ce que vous êtes ouvert pour accueillir toujours. La porte est ouverte pour chacun des groupes, pour chaque discipline, je dirais, pour les adultes comme pour les enfants. La parade des enfants a lieu le 8 février. Je pense qu'on descendra le planning tout à l'heure. Donc, jusqu'au 7 au soir, on peut encore prendre des enregistrements. C'est un petit peu techniquement compliqué, mais c'est vrai qu'on refusera pas aujourd'hui un groupe. On en a eu d'ailleurs des demandes, des personnes qui nous ont appelés pour nous dire est-ce qu'on peut encore s'inscrire. On n'est pas nombreux, on est peut-être une trentaine. Comme on leur dit, qu'ils soient 10, 15 ou 20, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de s'éclater. Ben, si on a encore de l'espace, on peut encore les intégrer dessus. C'est vrai que, comme je dis, à deux jours, ça sera un petit peu techniquement dur pour nous. Mais là, le comité est prêt à affronter, je dirais, pas mal de choses. Et s'il faut qu'à deux jours, ben, qu'on prenne une inscription de 30 personnes, ben, on prendra l'inscription et on discutera, on verra dans quelle mesure ça peut être envisageable. Et c'est la même chose pour la parade des adultes. La porte n'est pas fermée. On sait qu'aujourd'hui, on est en train de faire un petit peu le tour des radios, des télés, des médias. Le planning vient de sortir. Donc, le programme est en distribution. Donc, les gens commencent à se rendre compte de ça. On va avoir l'inauguration donc, sur le front de mer. Donc, je pense que tout le monde va se dire, ah tiens, parce que c'est vrai qu'on a été silencieux, on le reconnaît, on a été silencieux pendant une grosse période. Donc, même à ce niveau-là, les gens ont eu un doute en se disant, mais est-ce qu'il y aura ce carnaval? Et lorsqu'ils ont commencé à nous interroger, on s'est dit, bon, mais quelque part, ils attendent quelque chose. Donc, on doit leur donner, on doit se mettre dessus. Et c'est un petit peu le sens de notre communication, de dire que oui, on a reçu des coups, on a été martyrisés, on a, ben, pas que nous, hein, je parle du carnaval. Voilà, je parle du carnaval en général et oui, j'inclus les groupes. Mais tout le monde s'est dit, bon, il faut qu'on y aille, même si on présente une quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes, on y va. Donc effectivement, la porte reste ouverte, même jusqu'au 13 pour les adultes et jusqu'au 7 pour les enfants. Deux jours avant la festivité. Voilà, comme ça nous permet de pouvoir les intégrer. Sur l'alignement, donc dans la parade en elle-même, c'est pas ça trop le souci. C'est surtout, par exemple, au niveau des enfants, où il y a une participation du comité, il y a des choses qu'on prend en compte, il y a une logistique à mettre en place, parce que ce sont des enfants avec lesquels on fonctionne, donc c'est pas la même chose que les adultes, donc il faut les déplacer d'un point à un autre, donc il y a des bus à mettre en place, il y a peut-être une restauration à mettre pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions, puisque c'est quand même une parade qui dure 5 heures de temps. Donc voilà, donc il faut qu'on rentre dans toute cette logistique. Tant que nous on est en mesure de le faire, puisqu'on a quand même laissé un petit espace pour justement jongler avec les personnes qui viendraient, ils sont les bienvenus et au contraire ça ne fera que redonner à ce carnaval ce qu'on attend, quoi. Est-ce que la collectivité a été bienveillante avec vous dans le budget? Est-ce que vous avez donné quand même les moyens suffisants pour répondre à vos besoins? Alors, ce qu'on dit toujours, c'est que l'argent reste le nerf de la guerre. C'est
toute association vous dira qu'ils n'ont jamais assez. Par contre, nous, on part toujours sur le principe qu'on fonctionne avec ce qu'on nous donne. C'est vrai qu'on a, on a une demande budgétaire depuis 4 ans qui n'a pas beaucoup varié en tant que telle, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, pour avoir un excellent carnaval, il nous faudrait à peu près ce budget-là, qui est un budget qui avoisine les 400 000 euros. Aujourd'hui, nous tournons plus ou moins sur les deux dernières années sur des budgets qui avoisinent les 200 000 euros. Je parle de 200 000 euros qu'on ne perçoit pas forcément en cash. Ça, il faut qu'on soit bien clair dessus. On ne reçoit pas cette liquidité parce que beaucoup de personnes diront « Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces 200 000 ?» Il y a beaucoup de choses à faire quand même. En trois mots, je peux l'expliquer rapide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit, on perçoit une quantité en numéraire et le reste, c'est de la logistique technique. Ce sont des barrières Vauban, ce sont des aides par la collectivité sur un service technique, ce sont des électriciens que nous avons, ce sont des groupes électrogènes, ce sont des... Voilà, ce sont ce genre d'aides qu'on a, s'ils nous permettent peut-être des affichages sur des espaces là où ils sont peut-être payants, où on obtient des prix plus attractifs. Et tout ça, c'est comptabilisé. Ouais. Donc, oui, on est obligé de le comptabiliser parce que si nous devions faire cette dépense-là, ça représenterait 200 000 euros de dépenses. Donc aujourd'hui, on doit le mettre dans notre budget et par rapport à ça, on doit savoir ben, qu'est-ce que nous coûte réellement ce carnaval pour qu'on puisse avoir des budgets qui ne soient pas des budgets pharaoniques et qui ne tiennent pas compte de ces éléments-là. Et donc c'est important pour nous d'avoir ben, celui qui va nous dire, écoute, ben, je vais t'imprimer tes plaquettes. Donc on sait que 5 000 plaquettes, ça coûte tant. Donc on est obligé de le mettre dans notre budget même si nous ne l'avons pas en tant que tel dépensé. Mais c'est un don qui nous a été fait. Et ça rentre dans nos dépenses. Donc l'année prochaine, on sait que si toutefois ce partenaire-là n'est pas avec nous, ben, il faudra budgéter les 1 000 euros, les 1 500, les 2 000 euros pour pouvoir faire les plaquettes. Donc on est toujours obligé d'avoir ça. Pour revenir à la question en elle-même, effectivement, aujourd'hui, on considère qu'on a, ben, nous en fait, on fonctionne, on essaie de fonctionner comme ça, c'est d'avoir des partenaires plus que des sponsors. Ce qu'on appelle du partenariat, c'est des personnes qui nous accompagnent sur 2, 3, 4, 5 ans. On essaie de ne pas faire du one shot. Et là, en l'occurrence, on a des partenaires bon, qui restent donc, les privilégiés que nous avions eus depuis le départ. Donc la collectivité, qu'on remercie, qui est notre premier partenaire. Donc déjà, pour nous donner l'autorisation de pouvoir mobiliser les rues, etc. Donc ça, c'est important. Toute la partie sécurité, puisqu'il y a les policiers, la gendarmerie, etc. Donc il y a l'État qui est aussi présent. Donc ça, c'est notre premier partenaire logistique et financier. Nous avons un deuxième partenaire qui est l'Office du tourisme, qui nous permet effectivement les relais sur les marchés extérieurs. Aujourd'hui, avec notre site, avec notre page Facebook, etc., on est contacté régulièrement par des personnes, et ça, je pense que c'est ce qui est le résultat du carnaval des deux dernières années, des personnes qui nous contactent pour venir au carnaval de Saint-Martin, ce que nous n'avions pas les précédentes années. Donc, il y a quand même eu un impact à travers ça. Donc, l'Office du tourisme, par rapport à ses communications sur les marchés extérieurs, États-Unis, Sud-Amérique, Amérique, on a des retours minimes, mais on a des retours et on espère que ça va grossir, puisque ça voudra dire que tôt ou tard, on aura besoin d'hôtels, on aura besoin d'avions, on aura besoin de ça pour le carnaval de Saint-Martin. Donc ça, c'est notre deuxième partenaire. On a un partenaire qui nous suit aussi, c'est Orange, qui nous accompagne donc depuis le début et qui est encore à nos côtés. Et après, on a des sponsors qu'on est en train d'essayer donc de voir dans quelle mesure on peut monter un partenariat avec eux logistique sur 3 ans, puisque généralement nous sommes élus pour 3 ans. Et comme on dit, c'est pas lorsque si toutefois on doit partir, ben, que ça s'arrête là et que l'autre comité doit tout recommencer. Yeah. On essaie de mettre en place une machine ben, pour permettre qu'on n'ait pas systématiquement à chaque fois qu'une équipe s'en va, ben, qu'on ait à recommencer à zéro. Donc, financièrement, on en a reçu. On espère en recevoir un petit peu plus. Comme disait Claudine tout à l'heure, c'est vrai qu'on a dû aller piocher un petit peu dans nos réserves pour pouvoir remettre le village en place, pour pouvoir remettre un certain nombre de choses en place, voir dans quelle mesure on peut accompagner les groupes. C'est pas toujours évident, mais bon, on est là. Comme on a dit, nous sommes le moteur, et ça, j'aime bien répéter ça. Il ne faut pas oublier que le comité, sans les groupes, sans les orchestres, sans les DJ, sans les partenaires autour, le comité n'est rien. Nous sommes une trentaine de personnes au sein de ce comité. Si on n'a personne qui défile, ben, ça ne sert à rien d'avoir le comité. Donc, nous sommes le moteur, et on a besoin de toute cette essence, toute cette huile, donc la finance, la logistique, les personnes qui sont à nos côtés. Donc, on a besoin d'un petit peu de tout ça. Donc, ils nous aident. Conséquemment, et comme on dit, ben, nous on s'adapte par rapport à ça.
C'est-à-dire que si on a un budget de 50 000, ben, on travaillera sur 50 000. Si on a un budget de 100 000, on sera content. Et le jour où on pourra bénéficier effectivement de ce budget de 400 000, ben, je pense qu'on pourra révolutionner le carnaval et faire quelque chose qui tiendra la route et dont on entendra parler. Oui, on espère y arriver. On est parti pour ça. Bon, et parlons du programme du carnaval. Vous commencez à partir du 31 janvier. Alors, Claudine, dis-nous, qu'est-ce qu'il y aura dans ce programme? Donc, comme l'année dernière, on a l'inauguration, on va appeler ça comme ça, l'inauguration du carnaval. Donc, ça sera ce samedi 31 sur le front de mer de Marigon. On aura la partie officielle. Donc, les représentants de la collectivité, les représentants de l'État qui seront présents avec nous, où il y aura une petite cérémonie, discours, etc. Et on aura la partie où la collectivité remet au comité une clé symbolique. Ils disent que voilà, la saison carnavalesque 2015 est ouverte. Donc, suite à cette partie officielle, on aura une animation podium avec Unique Band qui va animer jusqu'à 22h. Donc, le public est invité, c'est gratuit, c'est sur le front de mer. Donc, on attend le public pour pouvoir partager ce moment avec nous qui vraiment est le lancement du carnaval 2015. Parce qu'il y aura en ce moment l'esprit du carnaval avec des groupes qui auront des uniformes de carnaval ou bien c'est. Il n'y a pas question à ce moment-là déjà d'entrer dans l'esprit du carnaval. Il y aura l'esprit du carnaval avec la musique, c'est déjà, sûr. L'ambiance sera il y aura un petit peu déco, tout à fait. Il y aura la décoration, donc on va voir comment. Les stands qui seront sur place, il y aura des stands donc, de boissons, de restauration, donc qui seront tenus par les groupes qui participent et même ceux qui n'ont pas pu y participer, ça leur permet effectivement de récolter un petit peu de fonds. Donc effectivement, eux auront sans doute des décos, certains seront costumés, etc. Ouais. On sera dans le lancement, dans l'esprit carnaval, on aura cette ambiance et les gens, c'est pour ça qu'on les invite à venir pour qu'ils puissent prendre l'information qu'on va distribuer aujourd'hui, mais ils auront. On va revenir un petit peu sur ce détail, comme disait Claudine tout à l'heure, c'est le lancement officiel, les autorités seront là et on sera forcément dans l'ambiance carnaval, déjà au niveau de la musique. Donc je pense que tout le monde comprendra qu'effectivement on l'a lancé. Donc il ne faut pas oublier la date, c'est 31 janvier, c'est ce samedi. Donc à partir de 17h la partie officielle, donc la cérémonie officielle commence à 17h et... ça durera au moins une heure à peu près. Et puis, à partir de 18h jusqu'à 22h, il y aura une ambiance carnavalesque sur le front de mer. D'accord. Et puis, vous suivez avec le 8 février, c'est-à-dire dimanche? Le dimanche suivant. Donc, on poursuit avec le défilé, la parade des enfants dans les rues de Marigot. Cette année, cette parade commencera au niveau du stade, lui, Vanterpoule. Donc, plus avant, le départ se faisait sur le parking de Howell Center. Ouais. Donc, cette année, il y a une petite nouveauté. On commencera au niveau du stade. Et puis, on va descendre dans les rues de Marigot. Le parcours ne change pas. On descend rue de la Hollande, rue de la République, où il y aura le concours de la meilleure chorégraphie. OK. Donc, sur la rue de la République, donc c'est la rue des banques. Mm-hmm. Ensuite, rue de la Liberté, donc la rue de la Poste. On remonte sur la rue de président Kennedy. On remonte sur rue de la Hollande pour terminer sur le stade. D'accord. Donc, voilà, c'est un parcours de combien de kilomètres? On est sur un petit peu plus de 3 km à peu près. Tout à fait. Ce n'est pas quand même un petit peu exagéré par rapport aux enfants. Donc, ils l'ont déjà fait. Le parcours traditionnel, les mêmes raccourcis, c'est important, 500 mètres pour les enfants. Mais c'est pour eux, non. C'est plus long, ça, si on doit monter sur l'OTAN, etc., ça devient un petit peu plus long. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes. Mais c'est un parcours qui reste très intéressant pour eux, ils ont le temps d'apprécier et c'est juste ce qu'il faut, c'est à peu près 3-4 heures de parade
puisqu'on démarre à 14h et on finit à 18h. Donc c'est à peu près 4 heures de parade et c'est, je pense que logistiquement parlant, c'est très bien pour les gamins. Ouais. Au-delà, donc l'heure précise, c'est 14h. 14h, le départ se fait à 14h. Et il y aura combien de groupes de participants? 8 groupes avec 900 personnes à peu près. Puisque nous avons des groupes qui annoncent, nous avons 3-4 groupes qui annoncent quand même pas moins de 100 enfants. Ah ouais? Voilà, donc c'est pratiquement l'école complète qui sort. Donc la parade des enfants sera encore plus intéressante que la parade des enfants. Exactement, donc la parade des enfants, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu le vivier que nous avons constitué. Ouais. Et depuis 2-3 ans, on se rend compte qu'effectivement, cette parade des enfants prend un petit peu d'ampleur, puisque nous avons des maternelles, nous avons des un petit peu plus grands. Donc voilà, donc on a vraiment toute la panoplie, et c'est surtout que ça devient de plus en plus gros. Donc c'est quand même, comme je dis, on a 3-4 groupes qui ont 100 enfants dans la rue. Donc c'est des groupes énormes, importants. Donc ça, c'est un bel impact, et c'est vrai que bon, les adultes n'ont qu'à bien se tenir. Et prendre exemple sur les petits. Ça craint pour les adultes. Est-ce que les groupes, c'est les écoles qui vont y participer ou bien c'est d'autres groupes à part? Donc on a beaucoup d'écoles qui participent. Il faut dire la plupart des groupes pour la parade des enfants, ce sont les écoles de Lille qui participent. Après, on a des particuliers. Bon, on a les deux écoles de quartier d'Orléans, donc quartier d'Orléans 1, quartier d'Orléans 2. On a l'école primaire de Grand Case, Émile Gibbs, et également l'école maternelle de Grand Case, Émile Gibbs. On a également comme école Evelina Hallé, donc l'école maternelle Evelina Hallé. On a également Émile Choisy, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a le périscolaire qui participe également, donc le périscolaire de la collectivité. Hein, ce sont les intervenants dans les écoles après le temps scolaire. Donc eux aussi, ils ont rassemblé quelques enfants pour participer dans cette parade. Sinon, on a des groupes extérieurs. Hein, il y a la MJC de Sonigong, fidèle. Voilà. À cette parade, voilà. Et nous avons un nouveau groupe qui est en confirmation, qui a aussi une centaine d'enfants. C'est une personne individuelle qui a réuni un certain nombre d'enfants et qui sera présent avec nous. Donc voilà, donc c'est tant, comme disait Claudine, c'est à pratiquement 90% des écoles. Et ensuite, les autres, ce sont des groupes qui sont en train de se rattacher dessus. Et les animations seront... fait par les DJ aussi. Essentiellement des DJ qui sont dont une participation par le comité et le reste pris en charge par les écoles. Donc on les soutient à ce niveau-là. On ne met pas de gros chars sur les parades des enfants avec de la grosse musique. C'est une question de sécurité. Question de sécurité, audition, etc. Et puis ça reste plus convivial. C'est à dimension des enfants. Et juste pour question d'audition, etc., on n'a pas besoin des grosses sonos que nous avons pour les parades des adultes. Donc voilà, donc ça reste des DJ essentiellement qui tournent sur ces parades-là. Et ça se passe toujours très bien puisque ce sont des chorégraphies qu'ils apprennent à l'école sur des bandes son. Donc le DJ arrive à bien leur donner ça. D'accord. Donc on reste sur ce principe qui est acquis. Et comment ça va se passer pour le concours avec les enfants? Est-ce que vous avez pris déjà des mesures nécessaires, par exemple, au niveau des juges ou bien au niveau de la place où ils doivent s'évoluer pour vraiment avoir un concours en bonne et due forme? Oui, au niveau des différents concours, en fait, il y a des emplacements précis pour en tant que lieu de jugement. Et on a deux catégories de juges également, donc des juges qui vont juger la chorégraphie, donc des gens spécialisés dans tout ce qui est danse, prestation, etc. Et puis une partie qui va juger le groupe en lui-même, les costumes, etc. Donc ça, c'est les critères qui seront déterminés et à partir de ce concours. Ben, les critères sont déjà déterminés. Les groupes connaissent, les responsables de groupes connaissent les critères. Ils ont les critères en main. Donc, ils savent sur quoi ils sont jugés le jour de la parade des enfants. Ils savent également où sont placés les juges. Donc, ce n'est pas... ils savent. Donc, toutes les conditions sont réunies pour le concours. D'accord. Est-ce qu'au niveau de la communication cette année, je sais que Hubert, vous avez pris un petit peu en retard cette année. Est-ce que toutes les dispositions sont déjà prises vraiment pour
faire passer le message qu'il faut. Ouais. Alors, la machine communication s'est mise en route. Tardivement. Mais c'est vrai que là, et là, c'est important pour nous. Et je vais prendre les 30 secondes là pour remercier les partenaires médias. On est ici ce soir. Donc, on répond à une invitation que tu nous as faite et on t'en remercie. On remercie les médias parce que c'est vrai que c'est notre premier relais. Et dès que le programme a été édité, on a passé l'information à un petit peu tout le monde et tout le monde s'est empressé de relayer derrière. On a certains qui nous rappellent parce qu'ils veulent faire des articles un petit peu particuliers dessus. On a des passages télé. Voilà. Donc la communication en elle-même a démarré. Comme je dis, on a aussi notre site Facebook sur lequel on tourne. Tout le monde sait que c'est là où on peut passer les informations. Maintenant, il y a le nouveau média qui est le WhatsApp. Donc tout le monde est dessus. Passe aussi. Donc c'est vrai qu'on se sert de tous les médias sur lesquels on peut le faire. Et comme je disais tout à l'heure, on a le partenaire Orange qui nous propose, donc qui est en train de le mettre en place, puisque techniquement c'est quelque chose qui se fait, mais qui demande derrière une préparation, mais d'essayer d'inonder un petit peu son réseau par voie SMS, etc. D'accord. Par rapport au programme. Donc oui, la communication est en route. Elle sera peut-être pas suffisante, mais elle sera à la portée. On a près de 5000 flyers qui ont été édités. On va essayer de les faire passer donc au niveau de tous les quartiers de Saint-Martin. On a les responsables de quartier qui essaient aussi de nous donner un petit relais. On essaie de déposer dans tous les points de vente où on sait qu'il y a du passage. Et là, tout un chacun, comme je disais, sur les différents médias, font du partage. Et voilà, donc nous avons près de 3000 personnes connectées sur notre page. Donc on inonde déjà de ce côté-là. Chacun des membres. En ce moment, je sais bien qu'on va vous suivre. Là, je pense que oui, on sait comment ça se passe. Lorsqu'on est sur la communication, on le lance. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les journées, donc au niveau du programme, on aura des petits teasers qui vont sortir. Donc pour rappeler le Juve, pour rappeler les différents shows, pour rappeler à toutes ces personnes-là, au fur et à mesure de ce qui se passe. Et comme je disais, les médias ont pris le relais aussi. Certains se sentent très très concernés, comme vous, et qui prennent le programme et qui font en propre initiative, ils font des petits montages et ils envoient et diffusent au niveau de leur communauté. Et c'est important. Donc la communication a démarré. Et là, je pense que pendant les prochains jours, on va beaucoup nous entendre. On va entendre parler que de ça. On va être sur carnaval. On est dedans. Ça y est, ça nous manquait. Est-ce que et quel sera votre et avec la partie hollandaise, est-ce que vous avez vraiment des liens privilégiés avec eux en ce qui concerne l'organisation du carnaval? Alors c'est quelque chose qu'on a mis en place dès notre arrivée. On a tenu à travailler en étroite collaboration avec eux. C'est vrai que chacun des comités a été, nous, par rapport à nos soucis différents, eux ont été aussi un petit peu mobilisés. Donc c'est vrai que cette année, on n'a pas été très proche d'eux, mais de toute façon, ils ont été invités pour pouvoir nous rejoindre donc, lors de l'inauguration. Ils sont sans doute présents avec nous. Donc l'invitation leur a été adressée. Nous, notre intérêt donc, au niveau du comité, c'est de pouvoir fonctionner globalement. Pourquoi je dis globalement? Parce qu'en fait, même si nous avons un carnaval côté français, un carnaval côté hollandais, culturellement, nous pouvons mettre en place un certain nombre de choses ensemble. On peut échanger sur nos erreurs, on peut échanger sur nos bons points et se dire, OK, on fait ci, on fait ça. Donc nous, on essaie de maintenir cette partie. On les rencontre assez régulièrement, soit en extérieur, moins protocolairement. C'est vrai que cette année, on n'a pas eu de réunion protocolaire avec eux où on a travaillé le planning. Mais bon, c'est simplement parce que c'était une période un petit peu chaude pour tant pour eux que pour nous. Mais c'est quelque chose qu'on va forcément remettre en place parce que on est juste à côté. Même si à un moment donné, on devient des concurrents. Et je dirais que ce n'est pas forcément nos concurrents là, puisque leur carnaval est un petit peu après le nôtre. Nous ne sommes pas forcément un concurrent parce que notre carnaval est avant eux. Mm-hmm. Ça peut être par contre un moteur pour eux. Mm-hmm. Et ça peut donner peut-être le tempo. Donc si le nôtre se passe très bien, les gens vont se dire, ah ben ok, côté hollandais, ça se passe aussi bien. Donc on va y aller. Donc c'est une complémentarité entre les deux. Contrairement aux autres carnavals qui sont dans la zone, puisque en même temps que nous, il n'y a pas loin de 7 à 9 carnavals dans la même zone, aux mêmes dates. C'est vrai. Ou à 2-3 jours période. Il y a une grande concurrence au niveau régional. Voilà, donc c'est vrai que nos concurrents se trouvent plutôt sur l'extérieur. Ouais. Et aujourd'hui, on essaie de se donner les armes pour pouvoir avancer dessus. Et donc, voilà. Quelles sont les particularités du carnaval de la partie française par rapport à celle au carnaval de la partie hollandaise? Alors, on se dit qu'aujourd'hui, le point fort du
carnaval français restent les parades. Ouais. C'est vrai qu'on très tôt, on est parti sur l'esprit que carnaval, c'est parade. Donc, on essaie de convertir ça. C'est vrai qu'on a un village sur lequel nous avons un certain nombre de promoteurs qui font tourner, mais ce n'est pas l'essentiel du carnaval. Il faut savoir que le carnaval, dans l'esprit carnaval antillais français, en Guadeloupe, Martinique, n'ont pas de village. C'est plutôt un truc caribéen. Ouais, c'est nous, voilà. Parade de voilà. C'est ouais. Parade. Donc, nous, c'est vrai qu'on se retrouve côté français un petit peu dans cette ambiguïté, puisqu'on est caribéen, on est antillais, on est un petit peu franco-français. On est, voilà, donc on a une espèce de panoplie. Et pour nous, il est important de faire plaisir à tout un chacun. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre sur les parades. Et c'est pour ça que très rapidement, peut-être qu'on a cette montée en puissance. Et ensuite, on rajoute derrière donc, un peu de village pour pouvoir donner une complémentarité par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le village n'est pas l'essentiel de ce que les gens recherchent. D'ailleurs, on le ressent dans la population. La population vient plus volontiers voir les parades côté français et sont plus attentifs aux shows qui se déroulent du côté hollandais. C'est ça que l'année dernière déjà, et on a remarqué que dans la partie française, même s'il y avait moins de monde que la partie hollandaise, mais le show était quand même plus intéressant à regarder et dans la partie française que dans la partie hollandaise. Oui, alors c'est ça. Donc c'est l'une des particularités essentiellement du carnaval la partie côté français, voilà. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le côté rue, le côté visuel de la chose, le côté discipline un petit peu donc de cette parade. Et c'est pour ça qu'on met toute la partie sécurité autour parce que et c'est pour ça qu'on a changé aussi nos horaires en termes de fonctionnement. On veut partir assez tôt. Ouais. Certains nous disent mais 13h c'est trop tôt. Certes, c'est tôt, c'est chaud, mais ça permet de. Ben, les gens ont préparé quand même pendant un an des costumes. Ils n'ont que 2 jours pour pouvoir les présenter. Donc, 2 jours, 6 heures. Ils n'ont que 12 heures pour pouvoir présenter un an de travail. Donc, il est intéressant pour eux quand même de pouvoir parader, faire le tour de la parade lorsqu'il fait encore jour. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de partir un petit peu plus tôt. Ils ont le temps de s'arrêter un petit peu plus fréquemment, faire les chorégraphies, montrer un petit peu, et d'être de retour, donc sorti de sur la route à 18h, tomber du soleil, pour question de sécurité, question de visibilité, question de beauté de carnaval, etc. Donc ça nous permet de sortir de la route à 18h et de permettre à la population peut-être de venir au village pour pouvoir apprécier. Puisque lorsque nous retournons au village, les groupes se retrouvent là-bas. Et donc, effectivement, là, à ce moment-là, on n'a plus un seul groupe, mais on a un mélange de tous les groupes. Donc, les plumes, le papillon, le poisson, tout le monde se retrouve et la nature et la végétation se retrouvent au village carnaval. Donc, on se rappelle cette année que le thème du carnaval, c'est Real Mass, Real Bacchanal. Yes, Real Mass, Real Bacchanal. Un petit peu d'explication. Défoulement. Défoulement. Là, on est monté, comme je disais tout à l'heure, en puissance. On a démarré, on a remis en place, on a commencé à remettre un petit peu l'idée carnaval. Et là, ça colle pas mal au thème Real Mass, Real Bacchanal. Ça y est, on est dedans. Et on veut maintenant exploiter ce qui est l'essence même du carnaval, les masques, les costumes, et que ça soit un défouloir, en fait. Puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes veulent des jump-up pour se défouler. Mais on veut leur faire savoir aussi que dans des parades organisées, sécuritaires, on peut aussi défouler, on peut aussi s'amuser, on peut aussi s'éclater. Et c'est ça un petit peu la particularité des parades. C'est que même si on a quelque chose de structuré, d'organisé, on peut aussi s'amuser. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est du real mass, du real bacchanal. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Un petit quelque chose à ajouter Non, il a tout dit. Donc on poursuit avec le défilé pour cette année. Est-ce qu'il n'y a pas d'invités, par exemple, de la Guadeloupe ou de la Martinique? Ce sera un manque vraiment énorme, parce que l'année dernière, ils ont fait quand même une grande... Du beau spectacle, je dirais du beau spectacle c'est l'année vrai. Dernière. Non, cette année, on n'a pas de groupe invité. On a eu les demandes, mais non, cette année, on n'aura pas de groupe. De qui? De la Guadeloupe? De la Guadeloupe, oui. Mais cette année, on a décidé de ne pas faire... C'est par rapport toujours à la restriction du budget. Ouais. Restriction du budget. Aussi l'austérité, quoi. Et puis, non seulement ça dit... Aussi, voilà, parce qu'on fait venir des groupes. Il faut savoir que même si les groupes, eux, ils paient leur billet d'avion, mais nous, on doit mettre à disposition le transport. Il faut les héberger. Il faut les nourrir. Alors que sur ici à Saint-Martin, on a un problème avec certains groupes qui n'ont pas les moyens de sortir cette année. Donc on se dit, on va faire venir un groupe et
Les nôtres sont... Les nôtres, ils sont lésés, on ne peut pas les aider. C'est vrai, donc, il y a deux poids, deux mesures. Donc, on s'est dit, vu qu'on ne peut pas aider les nôtres, on ne va pas faire venir des groupes d'ailleurs pour cette année. Quand on pourra aider les nôtres, on fera venir... Vu que le budget n'est pas à la hauteur. Vu qu'on n'a pas encore... Voilà, le budget n'est pas à la hauteur. Donc, voilà. Là, quand on aura les moyens pour aider nos groupes sur l'île, on fera venir des groupes de l'extérieur. Après, c'est très important ce que dit Claudine. Il faut qu'on fasse attention à ça. C'est vrai qu'on a fait venir l'an dernier puisqu'on avait la capacité, on avait les moyens. Ça a donné un boost au carnaval. On sait que certaines personnes attendent ce retour. Il y a aussi, il ne faut pas forcément systématiquement le donner à chaque fois, puisqu'à un moment donné, on va se dire, OK, on a vu, c'est bon, on connaît. Par contre, si on donne par petite dose, peut-être d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, on fera revenir d'autres personnes, parce qu'on a eu des sollicitations. Mais il est important que nos groupes, nos carnavaliers se sentent concernés. Et ça serait peut-être mal vu, ben, comme disait Claudine, qu'on fasse venir du monde et qu'eux, ils sont dans la difficulté, qu'ils viennent sur le côté, qu'ils regardent défiler ces personnes-là et se dire, ouais, mais... Bon, ils auraient pu peut-être nous aider. Ouais. Donc, nous, on préfère effectivement voir dans ce que nous avons, dans quelle mesure on peut les aider en accompagnement et leur dire, OK, ben voilà, vous êtes là. Et ils sont à côté de vous. Ce n'est pas eux qui vont venir faire notre carnaval. Ils viennent nous accompagner dans notre carnaval. Donc, on commence déjà par construire chez nous pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions. Puisque c'est un échange. Pour nous, les deux groupes qui sont venus nous ont appris les choses. On a pu voir aborder différemment une autre approche, savoir comment ça se passe en Guadeloupe-Martinique. Et donc, par rapport à ça, nous aussi, ça nous permet de préparer un petit peu toutes ces choses-là et de voir. D'accord. Est-ce que, au niveau, comme nouveauté, il y aura aussi la participation de la communauté haïtienne, celle de Saint-Domingue et... Après, ça reste les traditionnels groupes que nous avons, le Hot and Spicy. Le comité sort cette année aussi un groupe. Ah bon? Oui, on s'est lancé. Et ça se passe très bien parce qu'effectivement, justement, il y a certains groupes qui ne sortent pas. Donc, certains carnavaliers cherchaient où pouvoir aller se positionner. Donc, ils se rabattent un petit peu sur ceux qui sont là, les Espagnols. Et donc, on en avait discuté l'an dernier, je crois, à la même époque, de pouvoir... il nous manquait la communauté haïtienne. C'est vrai. Ça faisait des fois. Ouais, mais ce n'est pas la faute à vous. Hein, c'est et je sens que tu as dû peut-être mettre deux petits mots, mais bon. Tout à fait, oui. Tu y tenais. Et cette année, effectivement, on aura donc la communauté haïtienne. Et on est très contents, puisque on a des associations, les A, qui nous ont dit qu'ils vont faire quelque chose de sympa. Ouais. Donc, on est en relation avec eux. Et on est très contents de les compter parmi nous. Donc, il nous reste encore une communauté à faire sortir. Ouais. Et on espère que d'ici... Non, les Indiens, on les a, mais il nous manque la communauté chinoise. Ah bon? Oui, on espère que d'ici deux ans, on aura toutes les communautés ensemble et ça sera le grand show, ça sera mieux que le carnaval brésilien. Ben ouais. Et qu'on aura vraiment toutes les communautés, on aura la panoplie, on pourra faire effectivement venir donc les groupes extérieurs de la Guadeloupe, la Martinique, et comme ça on aura le melting pot de ce qu'on connaît sur Saint-Martin. Et avoir vraiment cette population. Donc, on est très fiers d'avoir effectivement cette année la communauté haïtienne qui sera avec nous donc, pendant ces 2 jours et plus les autres qui ont tenu à être présents avec nous. Permettez-moi, les jeunes, de faire cette comparaison encore avec la partie rwandaise. Je sais bien que nous sommes une seule île, et bien que bon. Et pourquoi, et de l'autre côté, ils ont un budget plus colossal, plus énorme, et que nous, on est toujours dans la restriction? Ça, c'est une très bonne question. Merci de nous la poser. Non, c'est quelque chose. C'est une analyse qui est un peu particulière. Est-ce que certains sponsors ont pris cette habitude de se dire, voilà, on met de ce côté-là? Est-ce que c'est dans la culture? Parce qu'effectivement, le sponsoring, c'est pas forcément toujours quelque chose d'évident. Une société a autant de problématiques que nous. Ils ont des employés, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont... Moi, ce que j'en dis et dans les discussions que nous avons, c'est que je pense qu'à un moment donné, il faut faire une planification. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne sur du coup par coup et on n'a pas un tableau de bord sur les 3-4 prochaines années. Donc, ça devient difficile sur un marché comme le nôtre, qui est un petit secteur où nous sommes sollicités par une centaine d'associations. Le problème, c'est qu'on n'a pas un marché qui est extensible. Donc, on a des personnes qui veulent bien aider, mais ils ont un budget qui est aussi très fermé.
Maintenant, il faut voir avec le côté hollandais, puisque ce sont les mêmes entreprises qui sont du côté hollandais et qui fonctionnent aussi du côté français. Je pense qu'il faudrait peut-être mieux voir avec eux un étalement dans leur mode de fonctionnement. Mais je pense qu'ils veulent satisfaire leur population côté hollandaise, puisqu'ils sont implantés du côté hollandais, etc. Mais je pense qu'il y a tout un esprit au niveau, par exemple, des partenaires alcool, pour ne pas les citer, ou d'autres partenaires qui sont implantés côté hollandais, mais qui ont une distribution, une grosse consommation côté français. Je pense qu'il y a peut-être une discussion à avoir sur, comme je disais, un étalement, et se dire, OK, on a peut-être un budget de 30 000 euros qu'on veut mettre sur le côté hollandais. Ben, on va peut-être couper la poire en deux, on mettra 20 000 du côté hollandais et 10 000 du côté français. Mais ça, c'est une discussion à entamer et qu'ils puissent savoir ben, qu'est-ce qu'ils ont en retour. Et c'est ça. Aujourd'hui, comme on disait, il y a certains des partenaires qui ne croient qu'en les gros shows. Ouais. Ils ne croient pas forcément dans les parades. Donc pour eux, investir sur une parade qui va durer 6 heures, ce n'est pas la même chose que d'investir sur un show qui va durer 2 heures. C'est clair. Tu vois? Donc pour eux, l'impact sur un show de 2 heures est plus important que sur une parade de 6 heures. Ce qui n'est peut-être pas forcément vrai ou qui n'est pas forcément faux, mais il faut rentrer un petit peu plus in fine dans l'analyse de la chose. Donc c'est vrai que il y a aussi peut-être une tradition, une ancienneté dans le mode de fonctionnement. Il y a peut-être un carnaval côté hollandais qui a toujours tenu une espèce de lignée, donc il n'y a pas forcément eu de baisse, même si peut-être qu'on se rend compte qu'il y a peut-être un moins grand impact au niveau des parades des rues, puisqu'on se rend compte qu'entre les groupes, on a beaucoup de partenaires qui ont des chars, qui sont des chars de distribution, de cadeaux, etc., etc. Donc, ils ont une communication qui est énorme de l'autre côté, ils ont une implantation, une implication dans la vie de l'autre côté qui n'est peut-être pas la même ici. C'est une autre culture. Mmh. C'est peut-être une autre culture et qui est une culture ancienne, qui ne souffre pas forcément de chute, alors que nous, effectivement, on est un petit peu en dents de scie. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de trouver quelque chose de continuel, dans une lignée. Il ne faut pas oublier que le carnaval, moi, je le positionne un peu comme une entreprise. On doit faire notre preuve. Nous sommes arrivés il y a 3 ans. Vous êtes qui? Vous allez faire quoi? Ben voilà, on est obligé de sortir un petit peu nos efforts et de dire, voilà, on est capable de faire ci, on est capable de faire ça. Voici ce qu'on peut proposer, voici ce qu'on ne peut pas proposer. Et là, les partenaires regardent, ils se disent, ah ouais, ben tiens, c'est stable. Le comité reste en place, ce sont les mêmes membres, ils ont fait des choses, ils arrivent à fédérer des gens autour d'eux. Je peux m'infiltrer dedans. Et là, on rentre sur ce que je disais tout à l'heure du partenariat et pas du sponsoring. Donc, c'est un gros débat. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse voir tant avec les politiques qu'avec les entreprises qui s'implantent et les associations qui militent un petit peu dans ce sens. Est-ce que les politiques aussi ou les organisations qui sont vos partenaires, est-ce qu'ils ont quand même mesuré l'impact que pourrait provoquer l'organisation de carnaval dans la partie française? Alors, l'impact économique, touristique et tout ça, est-ce que vraiment ça le conforte dans cette idée? Ben nous, en fait, si tu veux, ce que nous on est en train de faire à notre niveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des retombées, donc des demandes qui arrivent directement sur notre site de personnes qui veulent venir à cette période-là, des petits groupes de 10 personnes. Donc à l'issue de ce carnaval, ça va être une démarche que le comité va sans doute faire auprès de ses partenaires, donc office du tourisme, collectivité, hôtelier, restaurateur. Parce que lorsque nous avons, par exemple, 4 mails qui nous arrivent et qui nous disent, aussi petit que ça soit, nous sommes un groupe de 5 personnes, nous sommes une famille de 6 personnes et qu'on veut venir à Saint-Martin pour le Mardi Gras ou pour le... On est en bateau, mais on veut accoster, on veut participer au carnaval. Mm-hmm. C'est quand même des retombées pour la destination. Donc aujourd'hui, on a, des éléments de poids qui nous permettent d'aller voir ces partenaires en leur disant, vous voyez, le carnaval reste aujourd'hui un outil culturel, certes, mais un outil économique surtout, puisque la personne qui va venir sera obligée d'être hébergée, obligée de louer un véhicule, obligée de manger, obligée, même s'il reste 2 jours, mais il le fait. Il ne faut pas oublier que la Guadeloupe, la Martinique, il y a beaucoup de personnes de Saint-Martin qui prennent un avion pour aller en Guadeloupe, Martinique pour voir le carnaval. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une petite inversion, peut-être pas aussi énorme, mais on a une petite inversion qui se fait. On a des personnes qui quittent la Guadeloupe ou la Martinique, surtout suite à l'impact de l'an dernier, qui viennent voir le carnaval à Saint-Martin. D'accord. Donc, il faut qu'on arrive à monter dans cette machine. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne désespère pas les 400 000 euros de budget pour pouvoir faire un super carnaval. On va y arriver. On va peut-être le dépasser, mais on arrivera. Et c'est qu'à travers ces éléments-là. Il faut qu'on arrive à comprendre que le carnaval n'est pas la problématique de Claudine, d'Hubert ou des 30 personnes que nous sommes ou 20 personnes que nous sommes. C'est la problématique de l'ensemble et que c'est surtout un outil économique et social puisqu'il réunit les populations. C'est l'un des endroits, c'est comme la musique. C'est là où on voit toutes les populations se mettre ensemble pendant une semaine où on oublie tout.
On a des gens qui se rencontrent, qui s'embrassent, qui s'enlacent et qui ne se connaissent pas. Mais ils sont juste heureux d'être ensemble et de pouvoir déstresser. Donc, au niveau social, on a un travail à ce niveau-là. Au niveau économique, on en a aussi un, puisqu'il rapporte aussi des choses sur la destination. Peut-être qu'un jour, on n'aura pas besoin de demander de sponsors. Peut-être qu'un jour, on n'aura pas besoin de partenaires. On espère. Parce qu'on sera autosuffisant à travers tout ce qui va se mettre en place et tout ce qui va pouvoir apporter. Donc voilà, peut-être qu'un jour, on arrivera à ça. Un petit mot aussi en ce qui concerne le village du Carnaval. Est-ce que vous avez dans l'esprit aussi de faire un village définitif, comme c'est le cas en partie rwandaise? Alors, cette démarche, elle est entamée. Bon, elle a été demandée par nous dès le départ, qui ne serait pas... On ne veut pas l'appeler village Carnaval, ça serait plutôt un village culturel, qui nous permettrait aujourd'hui de faire toutes les animations culturelles ou autres animations qui ne sont pas des animations sportives. Parce que sur le côté français, on n'a pas de site dédié à cela. Ouais. Aujourd'hui, toutes les infrastructures sportives reçoivent des avis défavorables pour pouvoir faire des événements autres que du sport, ce qui est à peu près normal. Ouais. La plus grosse capacité du côté français en termes de salles reste la MJC de Samigang, 400 places. C'est pas un show, on a déjà 100 VIP, donc il nous reste 300 places pour pouvoir faire le show, c'est pas la peine. Donc voilà, donc il nous faut un emplacement, une infrastructure. Aujourd'hui, le village Carnaval que nous avons donc sur Galisbé nécessite effectivement une refonte, puisque là, c'est le travail des bénévoles, ça a été fait comme on pouvait. Et malgré tout, on reçoit quand même un avis favorable, donc fait dans les bonnes techniques et les bonnes mesures avec les commissions de sécurité que nous avons. Et aujourd'hui, la préfecture, tout comme la collectivité, tout comme les commissions de sécurité, nous disent, écoutez, stop. Ah. On est fatigué de venir tous les mois ou tous les deux mois lorsque vous avez une animation pour venir vous donner un avis favorable, puisque vous respectez ce que nous faisons. Okay. Nous sommes prêts aujourd'hui et nous devons franchir cette étape. Donc c'est une demande qui a été faite express à la collectivité de pouvoir faire le site, un vrai site, provisoire ou pas, puisque bon, on n'est pas loin des 50 pas, etc. Donc ça rentre dans une partie politique, mais c'est la collectivité qui doit pouvoir prendre cette décision. En tous les cas, la demande est faite pour qu'on puisse avoir un site qui nous permettrait d'accueillir dans de bonnes conditions des activités, des manifestations culturelles qui seraient agréées une fois tous les ans, une fois tous les trois ans, on définira l'intérêt, sauf modification particulière, mais qui sera agréé pour recevoir toutes les manifestations possibles et imaginables. Il faut savoir que le site que nous utilisons aujourd'hui, tel qu'il est, a une capacité de réception de 6000 personnes. Ah ouais. Donc c'est pas négligeable de savoir qu'on a cette capacité qui varie de 0... Je suis content que la partie hollandaise... Voilà, la partie hollandaise est aujourd'hui à 10 000 personnes, peuvent étendre un petit peu plus, sans compter la sécurité, mais à 10 000 personnes, ils peuvent tourner. Je dirais que du côté français, on n'a pas besoin d'une capacité aussi énorme. 6 000, c'est déjà énorme. C'est énorme, 6 000 personnes sur un site. Parce que ça entraînera derrière toute la partie sécuritaire qu'il va falloir mettre en place. Donc, une capacité de 4 000 personnes en réception pour un show, ça reste très bien. Ouais. Vous imaginez 4 000 personnes sur un site, c'est exceptionnel. Donc voilà, donc un site comme celui-là, aujourd'hui, donc je pense que dès la fin de ce carnaval, les machines vont se mettre en route pour pouvoir avoir un site culturel et animation digne de ce nom, très certainement chapeauté par nos comités, puisque c'est un petit peu ce qu'on est en train de négocier avec la collectivité, qui nous permettrait, la gestion du site, se faire un petit peu de financement, ce qui permettrait d'enlever un petit peu sur la charge. Donc, dès qu'il y a une animation... Parce que vous n'êtes pas appelé quand même à gérer que le comité du carnaval. Donc, tout à fait. Le comité des festivités. Il est culturel, sportif. Pour l'instant, on se concentre énormément dans la partie carnaval, parce qu'il y a un gros dossier carnaval. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'on va se mettre en place, on pourra aussi générer un petit peu cette partie culturelle. D'accord. On a d'autres associations, Saint-Louis, etc., qui ont des manifestations, mais qui restent un petit peu cantonnées dans leur petit coin, qu'on voudrait mettre en avant. On voudrait aussi que ça soit un site qui tourne à l'année, donc que les gens puissent avoir ce déclic. On est en train de penser à mettre des happy hours. On sait que le vendredi, on a des personnes qui veulent un petit peu se détendre lorsqu'ils ont fini de bosser, ne pas rentrer tout de suite. Donc on pourrait peut-être mettre des petites animations du vendredi au dimanche, de 4h à 22h. Pourquoi pas, Voilà, donc on sort, on sait qu'on a un point de chute, on sait qu'on a un point de rencontre. Bon, on a besoin de rencontrer des amis, on passe, on prend un petit pot. D'autant plus qu'il y a un parking en face qui permet un stationnement intéressant. C'est sécurisé puisque c'est entièrement fermé, donc les enfants peuvent s'amuser.
les associations ont besoin de se faire un petit peu de financement, donc ils savent qu'ils ont un site qui peuvent, dont ils peuvent bénéficier, et puis etc. etc. quoi. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Donc aujourd'hui, la préfecture, la collectivité et nous-mêmes devons nous asseoir autour d'une table pour pouvoir définir un plan, un projet, et puis voir ce qu'on peut, ce que chacun des partenaires peut mettre en place. D'accord. Donc, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire. Donc, s'il y a quelque chose encore à ajouter, Claudine, un petit mot? Non, c'est juste pour revenir sur le programme du carnaval. Donc, après la parade des enfants, on a l'ouverture du village qui se fera le jeudi 12. Il y aura juste un concert. Ça sera gratuit. Ah oui, il y a le concert reggae à partir du 16 février. Voilà, tout à fait. C'est le lundi, oui. Le lundi. Le lundi, donc c'est juste après dimanche gras. Donc, le 12, on aura un concert, donc ça sera gratuit. Ah, ouais, donc, okay. C'est l'ouverture du c'est village. C'est toujours au fond de mer? Non, au village. Au village. Le 12, on sera au village. Au village, donc à Galisbé, c'est un jeudi soir. Jeudi soir, ok. Donc jeudi soir, on aura le village qui sera ouvert. Pas de précision sur le groupe qui va animer. Il y aura juste de l'animation sur le podium ce soir-là, donc entrée gratuite, donc le public peut passer, voilà. Ensuite, le vendredi 13, on aura un concert soca avec des groupes... Donc deux groupes extérieurs, deux groupes d'anguilles, un groupe de Saint-Kitts. Okay. Et puis deux groupes d'ici. Ok. Et ce concert va nous amener jusqu'à 5 heures du matin pour le défilé en pyjama, donc le duvé que tout le monde attend. D'accord. Que tout le monde donc samedi matin, on aura. Sur le duvé, parce que c'est le 14 février. Ah oui, c'est la Saint-Valentin. Ah, donc ça sera du rouge et blanc, du rose et blanc. Mais donc ça va être quelque chose de sympa. Et nous sommes en train de travailler sur l'itinéraire qui va sans doute être modifié un petit peu. Cette année? Pour donner quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc on attend juste les dernières petites confirmations, mais ça risque d'être quelque chose de très très beau ce duvet. Donc on attend encore pour avoir la confirmation. Voilà, peut-être que samedi on aura toutes les confirmations. On le dira lorsqu'on sera sur le front de mer. On pourra officiellement annoncer l'itinéraire. Nous avons eu deux réunions qui abondaient dans le sens de ce qu'on voulait. Donc on attend juste les autorisations. Et ça va le faire, mais le 14 février, ça sera quelque chose de sympa. Bon, ça promet d'être intéressant. Ça promet d'être intéressant, le duvet. Ça va faire des bébés à... Oui, c'est sur le jour, donc pourquoi pas 14 après. Et juste avant que Claudine continue, ce qui est important, c'est que la soirée du 14, en fait, le gagnant du concours du Clash, en fait... le gagnant sera sur la route pour le duvet. Ah, d'accord. Voilà, donc l'un d'entre eux sera sur la route, donc on sera dans la continuité. D'accord. Et voilà, donc ça promet d'être intéressant sur le 14. Super. Donc, ensuite, on a le samedi, donc le vendredi soir, soirée soca, donc on demande aux gens de sortir, ça sera vraiment un beau... Et ça veut dire pour le 13, Le 13, un beau spectacle, des orchestres, des groupes très connus, donc toujours dans l'esprit carnavalesque, un jump pop, etc. Ensuite, le samedi soir au village, on aura une nouveauté qu'on avait déjà sur la partie française qui revient cette année. C'est le Miss West Indies. Donc, c'est une élection qui réunit des Miss de la Caraïbe. Ouais, quand même, il y aura quand même animation au village, quand même. Pourquoi vous dites qu'il n'y a absolument rien? Non, il n'y a pas rien. Il y a moins de jours. Sympa, bonne petite ambiance et des choses très conviviales qui, je pense, pour un petit peu toutes les panoplies de population que nous avons. Donc, il y a du soca, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une petite ambiance familiale pour l'ouverture, il y a l'élection de Miss qui est une élection internationale, puisqu'il y a pas loin de 21... Donc, est-ce que l'élection, ça fait partie de votre organisation ou bien d'une autre organisation? Non, c'est un promoteur. C'est quelqu'un qui fait venir, qui organise cette élection. Qui en profite de son... Voilà, tout à fait. Qui va introduire chez vous. Ça se faisait avant, dans le passé, ça se faisait sur la partie française. C'est bien, c'est pas une mauvaise. Donc, voilà, c'est... Donc, ensuite, on aura la grande parade du dimanche gras, donc la parade des adultes dans les rues de Marigot. Ça sera fait le 15, Le dimanche 15. Ensuite, le lundi 16 février au village, on aura un concert reggae. Donc, c'est encore un promoteur. Voilà, donc il y a normalement des locaux et un groupe qui vient de l'extérieur. Donc, on aura la confirmation samedi, donc des noms. Il attendait juste la confirmation des billets, mais on aura un groupe extérieur et c'est juste une petite, comme on dit, c'est une petite ambiance, on essaie de varier. Normalement, le lundi, on faisait généralement des concerts zouk.
Et là, on met un petit on peu de reggae. Peu. Voilà. Donc, ça ne sera pas les grands comme du côté hollandais, mais ça sera du reggae pour, puisqu'on a beaucoup de personnes qui nous ont demandé un petit peu cette ambiance, pourquoi ils n'ont pas de reggae. Donc, voilà, donc on ramène un petit peu du reggae. Okay. C'est pas mal le reggae, Voilà. Ensuite, le mardi 17, on a la parade du Mardi Gras. Et puis, on clôture la saison avec un concert. Donc, on n'aura plus le défilé ou le jump-up noir et blanc qu'on a l'habitude de faire dans les rues de Marigot. Mmh. On aura un concert au village ce jour-là, suivi du... De l'inhumation de Vaval. Je vais faire un huis clos, quoi. Voilà. L'inhumation de Vaval au village. Donc, ça, c'est la nouveauté aussi pour cette année. Hein. C'est le concert à la place du défilé en noir et blanc, puisqu'on se rend compte que... c'est un défilé en noir et blanc, c'est pas un jump-up, normalement. Ouais. Et puis, à 16 heures, voilà, les gens ne veulent pas venir sortir dans les rues. Ouais, surtout le soir. C'est plutôt le soir qu'ils veulent sortir. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, et puis, on n'a personne. Et puis, est ouvert le mercredi après-midi, donc, voilà, c'est pas complexe. Vraiment un jour férié. Ouais. Voilà, c'est pas férié, c'est chômé. Donc, certains des carnavaliers sont au boulot. Ouais. Donc, ça n'avait pas l'impact. C'était plus une contrainte pour la population, puisqu'en fait, on avait un char qui défilait avec une trentaine de personnes. Ouais. Des rues bloquées pour pas grand-chose, des commerces qui devaient baisser un petit peu leur rideau lors du passage pour éviter des problèmes de sécurité. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, on va enlever tout ça et on va se le faire plus convivial. On au va village. Bloquer toute la partie village. Et on fera un concert en noir et blanc. Donc, on va demander au public ce jour-là de venir habiller en noir et blanc pour ce concert et pour l'animation de la Est-ce que le public respecte toujours ce genre d'engagement à venir en noir et blanc pendant... Il y a certaines personnes qui respectent. Voilà, mais voilà, il faut revenir sur ces traditions-là et puis, parce que c'est un petit peu l'esprit. C'est vrai qu'en Guadeloupe, en Martinique, lorsqu'on regarde, on a vraiment l'impression qu'on va à un enterrement. Donc c'est ça l'esprit, c'est revenir à ça et dire aux gens, voilà, ça y est, on a passé 6 jours de festivités. Ben, il part se reposer, même s'il part en fumée, mais il repart se reposer jusqu'à ce qu'on reprenne l'année d'après. Et donc voilà, on vient l'accompagner sur son lieu de départ. Donc, voilà. Donc c'est un petit peu l'esprit. Mais ça, on va retravailler ça. C'est comme le Juve Jump Up aussi, c'est un défilé en pyjama. Donc il faut qu'on y arrive. Ouais. Bon, beaucoup de personnes nous disent maintenant ils dorment sans pyjama. Donc c'est fini le temps de encore du monde qui sort en pyjama. Voilà, donc on veut un petit peu recréer ce ils côté. Ils sont pas nombreux, mais on en. Donc on essaie d'avoir les pyjamas et pas les sans pyjama. S'il le faut, on va les coudre, on a des sorties de bain, on a tout ça, donc c'est ça. Ouais, c'est simplement passé. L'essentiel, c'est de s'amuser. C'est clair. Le carnaval, c'est ça. C'est la période pendant 10 jours où on déstresse et on relâche, quoi. On relâche et on se prépare pour y attaquer. Pour rentrer en carême. C'est plutôt ça. Voilà. C'est l'esprit, oui. Voilà, c'est l'esprit. On se défoule avant les 40 jours de carême. De carême, de prière, de sainteté. Voilà, donc on se défoule jusqu'à ce qu'on a fait pendant 10 jours. Tout à fait. Bon, les jeunes, je crois qu'on a passé un moment excellent avec vous. Donc, je crois que les téléspectateurs aussi ont bien compris et l'ampleur que ça donne le carnaval ici en partie française. Eh bien, donc, on espère bien que tout va se faire dans l'ordre et que les gens ils vont se plaire également pendant ces jours gras, comme on dit. Merci d'être venu et quand même de répondre à mon invitation, Claudine et Hubert. Donc, un petit dernier mot quand même avant de partir, une petite dernière annonce. Ben, dernier mot, juste remercier ceux qui nous accompagnent cette année, hein, les responsables de groupe, ceux qui sont présents, qui ont répondu présents à cette édition, donc les remercier parce que sans eux, on n'aurait pas eu de défilé. Donc un grand merci aux responsables de groupe. Également à tous ceux qui nous accompagnent sur cette période, que ce soit les sponsors, les aides, on les remercie également. On rappelle le rendez-vous de ce samedi sur le front de mer pour l'inauguration de cette édition à partir de 17h, donc pour l'inauguration de cette édition 2015. Donc, rendez-vous ce samedi 31 sur le front de mer. Et puis, on espère que vous allez passer un bon carnaval 2015 en espérant l'année prochaine voir tous ceux qui
regardent cette année vont nous participer et se joindre à nous pour... Vous avez déjà la date de l'année prochaine? On n'a pas encore la date. On va l'annoncer à la clôture. Voilà, on l'annonce. Comme on dit chez nous, step by step. Voilà. Moi, déjà, pas faire celui-là. Alors, Hubert. Ben, merci, je vais rejoindre Claudine. Merci à tous. Merci à toi de nous recevoir. On attend tout le monde. C'est notre carnaval. Il faut qu'on se l'approprie. Toutes les personnes qui vivent à Saint-Martin, tant du côté français que du côté hollandais, toutes les populations, tous ceux qui sont de l'extérieur, qui veulent vivre avec nous une expérience un petit peu unique, puisque c'est très particulier, le carnaval à Saint-Martin, c'est pas comme ailleurs. Donc on remercie toutes ces personnes-là, on remercie tous ceux qui viennent avec nous cette année, on remercie tous ceux qui n'ont pas pu le faire, mais qu'on sait qu'ils vont travailler dans le noir pour pouvoir revenir et être à nouveau avec nous. Donc les portes sont grandes ouvertes. On attend tout le monde, et comme je dis, c'est notre carnaval. Merci à vous tous, merci à toi, merci à tous les partenaires, merci à tout le monde, et on se donne rendez-vous dès le 31 janvier sur le front de mer à partir de 17h, et les gens verront ce qui, ça sera déjà un petit début de ce qui les attend pendant les 6 jours que nous avons Carnaval derrière. Donc, merci à vous tous et merci à tous nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis pendant plus d'une heure. Donc, nous espérons aussi que la communauté haïtienne va y participer énormément, et comme c'est le cas chaque année. Mais certains m'ont dit déjà qu'ils se préparent déjà des groupes de danse. C'est une surprise, mais j'espère que je ne serai pas déçu. Oui. On m'a promis quelque chose de bien. J'ai dit, je viens voir. On m'a dit non, ça va être, tu vas découvrir. Donc, ce sera une surprise. Oui, tout à fait. Je pense que ça va être bien. On attend ça. Tout à fait. Et merci à tous. Bonne soirée. Merci à Mesmé qui assurait la technique pour nous ce soir. Donc, bonne soirée à tous et à bientôt.